T'es sûr qu'on peut traverser ça? T'inquiète. Je suis pas sûr que ce soit fait pour les voitures ce chemin, hein, mais bon. Bienvenue à tous, on se retrouve après l'Islande, enfin 2 mois après l'Islande, en Auvergne, avec mon ami Max, spécialiste du off-road. C'est comme ça que je te caractérise maintenant. C'est ça. Et Théophile, que je connais pas, mais qui m'a l'air très sympathique. J'ai une tête éclatée comme d'hab, hein, parce que avec le nouveau bébé qui vient d'arriver, que je salue, qui verra peut-être cette vidéo un jour, quand il sera grand. C'est un peu fatigant, mais heureusement, ma femme est là pour assurer les nuits les plus dures. Donc Max, il a un grand Cherokee qui a une petite vingtaine d'années. Bien rehaussé, un bon 10 cm, avec des vrais pneus off-road. Et en fait, il est déjà vachement bien équipé avec des... Avec les glissières, comme moi je voulais avoir. Et du coup, ça lui fait une garde au sol, si tu regardes, qui est même supérieure à la mienne, quoi. Ouais, c'est ça que je vois, les glissières ont l'air vraiment... C'est pas de la décoration, quoi. Et je sais pas ce qu'il a fait à son échappement aussi, mais ça fait un beau bruit, quand même. Hein. Les voisins. T'as vu l'Harley hier? Ouais, c'est vrai. Ah, donc c'est Max qui m'avait donné des bons itinéraires à faire parce qu'il avait déjà fait le sommelier qu'on a fait là dans une autre vidéo et le parpaillon. Et donc là, il va m'emmener dans des petites routes d'Auvergne sympas. Donc il a une caisse plus préparée que la mienne et des meilleurs pneus que moi. J'espère qu'il va pas me laisser dans le décor. Bon, tu m'abandonneras pas? Non. Ok, bah c'est parti alors. Voilà, on est parti. Moi, j'adore l'Auvergne. On suit Max. C'est vraiment super, super joli comme endroit. Et voilà, on va faire des routes que je connais pas. Ça va être assez fun. Donc, on va faire une petite vidéo sympa. Depuis le temps que je voulais en faire une avec Max, ça va être l'occasion. T'es sûr qu'on peut traverser ça? T'inquiète. Allez, vas-y.
donne dans l'eau, on a fait un bruit Camus. J'avoue que j'étais un petit peu en panique pour ce petit passage de rivière parce que c'était assez profond hein, quand même. Et à un moment donné, ça arrive quasiment jusqu'au bas des portières, quoi. Donc, c'est, ouais, ça doit être un des passages de rivière les plus profonds que j'ai fait, quoi. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de la Norvège ou de l'Islande pour traverser des rivières profondes. Hein. Il suffit de venir faire un tour avec l'ami Max en Auvergne. Franchement, ils devraient faire payer les tours, les petits tours de 4x4. Suivez-moi si vous voulez essayer votre 4x4. Et après, c'est fun, quoi. Assez sympa, hein. On visite pas mal de trucs assez cool et pas mal de vieux châteaux. Celui-là il datait du 13e siècle ou 12e, je sais plus. Et puis voilà, des routes un peu plus chaudes que d'autres. Le passage de la rivière était vraiment sympa, hein. Franchement c'était super profond. Et là voilà, pour vous donner une idée, c'est des petits chemins comme ça, des petites auberges, des vieux châteaux. Pour l'instant, hein, je sais qu'après il y a des passages compliqués, c'est faisable et puis c'est surtout hyper agréable en fait, on a de la chance. On n'a pas de neige, on n'a pas de trucs de pluie, tout ça. Là, vraiment, il fait un temps très bon, il fait 10 degrés. Voilà, on continue le petit voyage. Merci encore à Max. Il est pas sympa, Max, parce qu'il y a son copain Théo qui est en train de filmer, qui s'assoit sur la portière. On dirait qu'il essaie de le faire tomber à zigzaguer comme un fou, là. Merci à Théo, d'ailleurs, hein, d'avoir pris le temps de nous faire tous ces beaux plans parce que d'avoir une personne qui conduit pas, ça aide quand même. Hein. Oh là là, à chaque fois j'ai peur pour lui. Hein. Surtout que Max ne le ménage pas. Hein. Max il fait tout pour le. Merde, il accélère et tout. Vas-y, roule un peu, Max. J'adore. J'aime bien quand t'es sur la route et que d'un coup tu bifurques, paf, sur un chemin où tu sais que tu vois, si t'as pas un 4x4, tu peux pas passer par là quoi. Allez, c'est reparti pour un petit peu de caressage, de carrosserie avec un petit peu de délicate ronce. Voilà, c'est le bruit que j'aime entendre. Oh, attends, j'étais pas prêt. Non mais j'étais pas prêt. Alors voilà, on s'est arrêté dans un petit endroit hyper sympa avec une vue qui est pas trop mal. On a sorti notre attirail. Et là, on est comme à la maison. Hein. On va faire un petit feu et puis c'est bon quoi. Ouais. Donc on va manger un petit bout avec la vue qui est derrière. Donc moi j'ai une mini table qui sert à mettre le drone, mais au moins elle est vachement pratique parce qu'elle se déplie en une seconde. Et les chaises sont encore plus pratiques parce que en fait, bah hop, c'est plié. Mais évidemment la table de Max est un peu mieux parce que la table de Max par rapport à la mienne si tu veux, voilà quoi. C'est comme ses pneus par rapport aux miens tu vois.
Et c'est reparti après la petite pause d'âge avec un très joli panorama. On reprend nos petits chemins. Et on va voir ce qu'on va rencontrer d'autre de sympa sur la route. Ah, un petit peu de délicieuse ronce, c'est parti. Comme c'est agréable sur la carrosserie. Il y a vraiment des passages somptueux. Hein. C'est genre, si on te téléporte ici, tu peux pas savoir où t'atterris quoi. Ça fait vraiment forêt enchantée. Je sais jamais comment ça rend à la GoPro, si c'est vraiment aussi bien que ce que moi je vois avec mes petits yeux, mais dans tous les cas, c'est mieux que de pas le filmer du tout. Hop, après tu sors de ton petit chemin comme une fleur. Je conseille de passer les profs là. Et après, tu repars sur un petit chemin qui a l'air bien chaud celui-là. Boîte courte, différentiel central activé. Yes, on devrait être paré. Alors je sais, ça paraît plat à la caméra, mais si vous voyez comment je fais avec mon volant, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être pas mal si je filmais comme ça. On se rend compte que ça glisse à droite, à gauche, il y a des ornières. Et donc c'est pas aussi plat que ça a l'air à la GoPro. Mais honnêtement, le Classe G, comme d'habitude, il s'en sort comme un chef. Franchement, Mercedes devrait me payer pour tester leur bagnole. Hein. Enfin, bon. Pas évident ce petit passage là. Bravo, Maxo. Allez mettre la petite impulsion, ça frottait un peu dans les ailes. Et là, il y avait un petit passage où c'était pratique de pouvoir bloquer le différentiel arrière. Celui où on a vu que Max il patinait, donc il a dû accélérer un peu pour que ça accroche avec le système quadra drive du Grand Cherokee. Mais quand tu bloques le différentiel arrière, bah du coup, ça patine pas et c'est assez bien fait dans le Classe G, parce que tu peux le préactiver et dès qu'il sent que ça patine, il active. Donc il active pas pour rien. Ça secoue, hein. Il est courageux de s'asseoir sur la portière quand même. Oh là là. Hop. Qu'est-ce que c'est sympa de se promener dans la petite route d'Auvergne. Honnêtement, je pourrais faire ça toute la journée et je suis content que c'est ce qu'on va faire. Et même les trois prochains jours. Parce que franchement, c'est tellement sympa. Tu sais, t'as un 4x4, t'habites à Paris, tu sais que tu vas pas l'utiliser, tu vois. Donc là, tu fais que l'utiliser toute la journée. Et tu te retrouves dans des endroits bah, comme là où on a mangé tout à l'heure, quoi, hyper paumé. On s'est arrêté, je sais pas, à 45 minutes pour manger. On a croisé personne, juste personne. Ici, la vue est super. C'est pas mal le road trip en fait. On discutait des baraques ici. Il me disait, tu peux acheter une vieille ferme délabrée à refaire pour 50 000 balles. Franchement, ça me donne envie. Hein. Tu fais un garage, un truc sympa et tout ça pour tous les passionnés de 4x4. On va mettre la boîte. Pour mettre la boîte courte, tu appuies sur boîte courte. Tu mets en neutre. En tout cas, je suis content de voir qu'il existe autant de chemins
Tu vois, parce que de plus en plus en France, tu sais, t'as pas le droit de prendre des chemins, t'as pas le droit de passer des rivières, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela, parce que ça devient de plus en plus interdit. Mais franchement, l'Auvergne, c'est l'Auvergne, c'est pas Mercedes, c'est l'Auvergne qui devrait me payer pour leur faire la pub pour que les gens ils viennent en Auvergne. Mais bon, si trop de gens viennent en Auvergne, est-ce que ça va rester aussi bien? C'est pas sûr, alors venez pas, venez pas. Boîte courte. Boîte courte. Il me fait un peu peur le Max là, il me dit que ça, ouf, il me dit que ça c'est la partie facile ça. Ok. On va voir c'est quoi la partie ouf, difficile. Oh. Je pense que quand ça sera difficile, je laisserai notre ami Théo nous filmer parce que je risque d'avoir du mal. Donc là j'ai du mal à tenir la caméra. Alors je sais les gens vont dire pourquoi tu la fixes pas la caméra. Ouais, je sais, mais déjà ça me gêne. Et puis oui, il faudrait que je descende et je la fixe sur le capot comme j'avais fait pour le sommelier et tout ça. Mais bon. Et notre ami Théo, ouais, il y a comme un. Bon, déjà, il y a un arbre sur la route. Hop. Et puis il y a un gros caillou là-bas. Un gros, gros, gros caillou. On va essayer de. Essayer de l'éviter. En passant. Par ici. Ça passe. Voyons voir comment elle se défend sa voiture. Bon, ça a l'air facile. J'ai quand même préactivé le différentiel arrière au cas où.
Alors Laurent, un petit ressenti? Eh ben écoute, franchement, bon, c'est comme du plat. Hein. Facile. Hein. Écoute, très sympa hein, ce petit chemin, heureusement que Max était là pour me guider un petit peu parce que c'était pas évident, mais franchement le clasier comme d'hab s'en sort très bien. Donc là on va finir ce petit chemin off-road et après on va retourner par la route jusqu'à chez Max pour se reposer un petit peu. Franchement c'était du bon off-road comme on les aime. À chaque fois ça me permet de voir un peu les limites du clasier et de voir jusqu'où on peut le pousser encore un petit peu et franchement on peut toujours un peu plus hein. Il va falloir que j'aille dans le Utah ou dans le Nevada faire du off-road là-bas un de ces jours peut-être. Voilà, bah à la suite demain je pense hein. Donc à bientôt. On ne connaît absolument pas ce chemin. Ouais, bonne idée de plier les rétros d'ailleurs parce que là si tu veux. Je croyais que c'était fini hein, pour aujourd'hui, mais non, c'est toujours 10 minutes plus tard. Et là apparemment on est sur des chemins que même Max ne connaît pas. Donc on est à la découverte, on va bien voir. Ouf. De plier les rétros, ça me donne l'impression que. Et ben après on va dans la forêt, c'est bien. Ma voiture elle est hyper étroite, d'un coup ça devient une smart, tu vois, quand je plie les rétros, mais en fait, pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit fait pour les voitures, ce chemin, hein, mais bon. Maintenant qu'on y est, on y est. Hein. Ah oui, c'est la forêt après. Ok.